Bonjour, je m'appelle Pierre Keinec, je suis le président de cette sixième édition de l'Open World Forum qui aura lieu au Beffroi à Montrouge du 3 au 5 octobre. Nous avons choisi donc le Beffroi cette année pour des raisons donc d'espace. Nous étions arrivés un petit peu au bout de la logique du précédent lieu où nous étions. On a vraiment pu se démarquer cette année, notamment par l'ajout d'un espace de stand. Ce qui permet aux exposants, aux sponsors aussi de présenter leurs différents produits, de faire des démos et toutes sortes d'autres événements sur leur stand, qui est une très bonne chose. Et ensuite parce que nous avons effectivement des plus grandes salles, des auditoriums de plus grande taille et que ça permet effectivement de porter ce nouveau programme qui est, j'espère en tout cas, un excellent programme. Le thème de cette édition, c'est « Make it happen » en anglais, « Vouloir ses pouvoirs » en français. Ça part de la constatation qu'il y a énormément de décisions politiques sur la préférence au logiciel libre ou à l'open source, un peu partout dans le monde. Et de façon générale aussi que dans les DSI privés, il y a une vraie prise de conscience des avantages du logiciel libre, notamment en termes de propriété du système d'information, de pérennité, d'interopérabilité. Et en fait, il y a pourtant une concrétisation qui est déjà très excellente, mais qui n'est pas aussi globale que ce qu'on pourrait souhaiter. Et pour ça, nous avons donc pris ce thème cette année, qui est vraiment pour expliquer aussi aux gens comment passer le pas, de façon beaucoup plus large, beaucoup plus massive, au logiciel libre, à partir de passer finalement de ces décisions politiques ou stratégiques à une stratégie réelle d'application en termes de développement. Cette année, nous avons un programme qui est vraiment, je pense, excellent, aussi bien dans les aspects think, sur des aspects politiques publiques, sur des aspects de recrutement, qui sont des enjeux importants pour notre filière. Je parle de recrutement, mais aussi réellement de formation professionnelle, notamment avec les ajouts des MOOC, des différentes plateformes aussi d'apprentissage qui peuvent exister, qui peuvent apparaître. Donc toutes ces thématiques-là, des problématiques aussi d'achat, notamment la relation des acheteurs, des divisions achats des grands groupes ou du secteur public avec le logiciel libre. Donc on a vraiment pris des tables rondes ou des panels, des talks qui n'ont jamais été faits. Donc on a vraiment essayé de créer une vraie nouveauté en termes de programme. Sur code, c'est aussi le cas. Nous avons donc quatre thématiques importantes cette année. La première, c'est le web du futur, avec notamment les différentes approches de tous les frameworks JavaScript qui peuvent sortir, toutes les différentes choses autour d'HTML5 et autres. Sur les aspects data, notamment avec la montée forte du big data, des problématiques d'analyse sur des volumes importants de données, les aspects NewSQL aussi. Nous avons aussi les aspects mobilité, et notamment avec un angle cette année qui est peut-être un peu plus novateur, qui est de passer, par exemple pour des produits comme Android, de l'application du simple mobile aussi à d'autres types d'applications, notamment de l'embarquer. La dernière thématique, donc le cloud, avec où là on a un programme aussi pléthorique sur les différents aspects du cloud, et notamment avec une spécialisation cette année sur l'orchestration. Une des problématiques importantes, c'est la formation professionnelle. D'avoir vraiment d'étudier les différents aspects aujourd'hui, comment enseigner le logiciel libre et l'open source aussi plus tôt. Un des points forts de cette année, c'est que nous avons la chance d'avoir des partenariats avec de nombreuses écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles, des universités, qui vont pouvoir intervenir tout au long du programme. Et notamment, nous avons donc une forte délégation aussi étudiante qui va pouvoir aussi venir pour s'informer sur notre filière, sur les différents métiers auxquels elle débouche, et voir que voilà, nous sommes quand même une filière plutôt sympa, avec des jobs de qualité, souvent des collègues brillants, des salaires attractifs, et qu'on a vraiment, je pense, tout un terreau aussi de créativité et à la fois de rigueur dans le développement qui est très important.
Et c'est pour ça qu'il y a donc plusieurs initiatives. La première, c'est une Student Demo Cup, donc c'est-à-dire que c'est une compétition qui va récompenser des projets étudiants qui ont été réalisés donc, en libre, en logiciel libre. Ça va être quelque chose d'intéressant puisqu'on a des candidats vraiment de très bonne qualité pour cette première édition, même pour cette première édition. Je vous invite à venir en auditorium pour voir cette séance. Nous avons aussi donc une track éducation particulière et nous avons aussi un meet-up spécial le jeudi soir qui s'appelle Femmes du numérique et qui est précisément relié au souci que vous connaissez probablement tous, qui est le fait de rendre plus attractif notre métier et les métiers du numérique de façon plus générale pour les femmes. Cette année, nous avons donc un programme qui est vraiment, je pense, très intéressant. Des personnalités aussi qui se déplacent, des contributeurs, des committeurs, des politiques, des personnes de la communauté, des fondations qui sont vraiment majeures dans notre monde. C'est une opportunité aussi pour chacun de networker, d'arriver voilà, à parler aussi directement aux personnes qui font leur technologie. Ça, c'est des choses qui se produisent relativement peu. Et donc, j'espère tous vous croiser à l'Open World Forum 2013, donc 3 ou 5 octobre au Beffroi à Montrouge. Et je pense que voilà, on passera tous un excellent moment et revenir vraiment dans nos entreprises aussi avec des idées novatrices, avec des façons aussi de voir les choses qui vont être positives pour tout le monde. Merci à tous.